demander, tu vas accepter Jésus, et puis tout va marcher pour toi. Tu vas accepter Jésus, puis tu vas avoir du travail. C'est possible. C'est possible que tu aies du travail, c'est possible que le Saint-Esprit te bénisse, c'est vrai. Il faut te dire la vérité. La vérité va t'affranchir. La vérité va t'éclairer. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, c'est pas d'abord pour te rendre riche. Non. Il vient te convaincre de ton péché de jugement. Et une fois que le Saint-Esprit te convainc de ton péché, il peut maintenant faire son travail. Alléluia. La puissance du chrétien, c'est la Bible. Hein. Ce n'est pas des émotions ou des émotions du pasteur. Non, non. Ta foi ne dépend pas des émotions de ton pasteur. Tu veux te laisser transformer par le Saint-Esprit. Si seulement tu l'invites, il vient dans ton cœur et il commence à faire le travail de la transformation. Non. Ce n'est pas le travail de l'amélioration. Le Saint-Esprit n'améliore pas, il transforme. Quand Dieu commence à t'utiliser dans les dons de l'esprit, tes paroles qui sont frères. L'œuvre de Dieu, c'est pas la bouche. Dieu n'est pas pressé d'utiliser quelqu'un, mais Dieu est pressé de changer la vie de quelqu'un. Amen. De la sanctification. Malheur à celui qui maltraite le peuple de Dieu. L'œuvre de Dieu, là, le ministère. Chacun court dans son couloir. Mais chacun va rendre compte à Dieu. On dit qu'ils ont la puissance, ils ont l'onction. Mais ils font des choses que même les païens ne font pas. L'Esprit du Seigneur est